pense que ce procès fait à Deschamps est indigne. Indigne par rapport à ce qu'est Deschamps, par rapport à ce qu'équipe de France. Ne serait-ce que, c'est même non seulement au-delà de ses qualités morales, c'est une insulte à son intelligence. Il ne se serait pas volontairement privé d'un joueur parce qu'il est d'origine maghrébine. Et puis tout d'un coup, il appelle Adil Rami, qui n'était même pas réserviste, qui lui aussi est d'origine maghrébine. Donc, quand on prend une liste de 23 joueurs, il y a des équilibres à faire, non seulement au meilleur au poste, mais aussi entre les joueurs. Et je regrette à titre personnel, comme supporter, l'absence de Ben Arfa, qui a fait une saison magnifique. Mais il y avait d'autres problèmes auparavant. Et donc, bon, on peut critiquer les choix du sélectionneur, c'est ce que font tous les Français régulièrement. Mais franchement, et on ne peut pas m'accuser de ne pas être sensible au combat contre le racisme, au combat contre les discriminations, notamment à l'égard des Arabes, etc. Mais très franchement, dire que c'est parce qu'ils ont des origines maghrébines que Ben Arfa et Benzema n'ont pas été pris est faux, injurieux et scandaleux.